Ce que je peux faire, c'est de changer les propriétés d'une forme. Donc, je peux venir dessiner une forme dont l'intérieur est bleu au préalable, l'extérieur est brun. Donc, je viens dessiner un carré. Certainement, si je le sélectionne, je peux avoir différentes options qui se présentent à moi. Donc, je peux même ici changer les différents points. Et finalement, ce que je peux faire, c'est d'aller ici dans le navigateur de propriétés et de venir changer plusieurs options. Donc, au niveau de l'identification, donc je pourrais lui donner un nom précis. Je pourrais lui donner des mots-clés. Donc, même ça pourrait marquer une question. Ensuite, donc, on peut changer au niveau de l'apparence, du contour. Donc, le contour était brun. Ce que je peux faire maintenant ici, c'est de venir le mettre gris. De grossir le trait, donc de grossir la largeur du trait. Je pourrais changer l'intérieur, donc avec une différente couleur. Je pourrais changer l'effet de l'intérieur. Je pourrais changer le style de trait si je voulais aussi. Donc ça, c'est ici au niveau du contour et du remplissage. Je peux venir donner un fond, donc mode transparent, je pourrais avoir un mode opaque. Donc ici, j'ai un fond à ma forme. Je vois qu'entre les tirets, j'ai une ligne noire. Je pourrais la mettre, par exemple, jaune. Donc ici, c'est au niveau du fond. Donc je pourrais changer la position dans mon échelle. Donc la mettre selon un certain angle. Le réfléchir, donc faire une réflexion. Donc ici, donc on voit que ma forme a changé de direction. Donc ensuite, je pourrais la verrouiller. Donc si elle n'est pas verrouillée, mais je pourrais la verrouiller de faire en sorte qu'on ne peut plus toucher. Donc ici, je peux plus rien faire de cette forme-ci. Donc ce serait une différente option. Donc ce que je vais faire, c'est je vais retourner ici au mode création. Donc il me permet de désactiver tout ce qui est verrouillé et de continuer de travailler dessus. Ensuite, je vais enlever, je vais lui dire faux, je ne veux pas que ce soit verrouillé. Ensuite, je pourrais lui donner une étiquette. Donc, une étiquette, par exemple, j'écrirais un polygone. Donc, avec cette écriture-là, la couleur de la police, ce pourrait être donc bleu ici. Donc, on voit ici qu'une étiquette est apparue. On pourrait lui dire toujours visible ou tout simplement infobulle. Donc, simplement quand j'approche ma forme, je vois le mot polygone. Donc, je ne l'ai pas toujours en permanence. Donc, le mode arrière-plan pourrait être opaque, ça pourrait être transparent aussi. Donc, quand j'approche, j'ai juste mon écriture qui apparaît. Donc, ça, c'est au niveau des étiquettes. Ici, donc, je pourrais lui dire, toi, ce polygone-ci, tu peux comporter. Tu peux contenir certaines formes seulement. Les autres seront retournées. Donc, c'est ici que je vais pouvoir manipuler au niveau du conteneur. Enfin, ici, la rotation, je pourrais le faire pivoter. Donc, c'est ici que je vais lui attribuer certaines caractéristiques particulières au niveau de la rotation. Enfin, ici, si je veux lui dire des limiteurs, donc c'est ici que je viendrai choisir ceci. Donc, je pourrais le faire se déplacer librement. Mais, par exemple, le déplacement pourrait se faire seulement verticalement. Donc ici, pardon, je vais retourner parce que je suis dans le mode création. Je ne peux, donc ici, je ne peux pas le déplacer autrement. Donc, il se déplace simplement verticalement. Même si je bouge ma souris, il se déplace seulement verticalement. Si je resélectionne, donc ici, je pourrais le déplacer seulement horizontalement ou le long d'un chemin. Donc le chemin, il faudrait que je le trace. Donc je vais le tracer ici en vert. Voilà. Donc je vais lui dire, cette forme-ci peut se déplacer le long du chemin suivant. Donc OK. Donc c'est seulement cette option qu'elle va pouvoir faire. Donc si je viens prendre l'option déplacer. Donc ici, c'est déplacé librement. Le long du chemin. Le chemin, c'est celui-ci. OK. Donc, le long du chemin, le stylo 3. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, ma forme peut tout simplement se déplacer
selon la forme du trait. Donc, c'est au niveau du chemin. Je peux le dimensionner librement ou je peux tout simplement ne pas le redimensionner. Et enfin, je peux faire glisser une copie, vrai ou faux. Donc, ici, faire glisser une copie de ma forme. Donc, ici, en choisissant une deuxième, je vais pouvoir avoir d'autres copies de ma forme.